Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu as cette mine? Moi, je ne supporte plus mon mari. Je te jure, je ne le supporte plus. Le type là m'énerve, tu ne peux pas savoir. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Il est sorti le matin sans me donner l'argent de ration. Ni même l'argent de beignet que donnent nos enfants partent à l'école. C'est vrai ce que tu dis là? Ouais. Je suis fatiguée là-bas au quartier. J'ai appris le crédit dans toutes les boutiques là-bas. On me connaît partout. Tous les jours, ils viennent demander le crédit. Si tu n'étais pas là, c'est que mes enfants sont déjà morts. C'est pour dire quoi? Tu as besoin d'argent, c'est ça? Ouais, chérie. Ne dis pas que j'ai besoin d'argent. C'est que toi-même, quand tu regardes, depuis le matin, je n'ai pas mangé. Même un beignet de 25, je n'ai pas mangé. Mais pourquoi il fait ça? C'est pas toi qui... Je sais. Peut-être ta façon de te comporter aussi ne le motive pas, peut-être. Attends. Chérie, je me comporte mal. Non, toi-même, dis-moi, nous voici. Non, avec moi, c'est tranquille. Bon, je ne sais pas comment ça se passe avec ton mec. Tu veux dire quoi? Que j'ai deux personnalités? Ah, ça, je ne sais pas moi. Alors, je te dis, je suis la même. Je suis toujours la femme la plus gentille de la terre, travailleuse. Je regarde bien les enfants. Toi-même, tu vois, les enfants, ils ont bonne mine. Parce que je passe le temps à prendre des crédits pour les nourrir. Le gars s'en fout. Il mange son argent dehors avec les bordels. Bon, il me laisse comme bon, ça. Je ne sais pas quoi faire. C'est pas un problème, tu vois. Tu vas pas l'accuser jusqu'à ce niveau, c'est pas un problème. Okay? Peut-être qu'il est face à beaucoup de situations aussi. Tu sais, nous les hommes, il y a certaines choses qu'on n'explique pas. Moi je fais alors comment? Parce que moi j'ai faim et les enfants aussi n'ont rien à manger. Je suis seulement là comme ça, là. Je ne sais même pas où ma vie part. Ok, t'as pas à t'inquiéter, d'accord? Ça va aller. Ok? Tu as bien dit que heureusement que je suis là. Voilà. 1000 francs, ça peut aller? Oh chérie, tu blagues. Oh, j'ai pas assez d'argent là. Je vais pas quand même vider tout mon portefeuille pour toi. Chérie, donne encore les 2000. Non, c'est bon. 2000 pour qu'elle paye le plan que j'ai chargé aux enfants le matin. Merci mon cœur, tu es un ange. Mais ne me flatte pas comme ça. Non, je te flatte pas mon cœur. Hé, qui ça, toi, ma vie est quoi, hein? Tu sais que je t'aime quand même. Oui, je t'aime aussi. Bébé, je te jure au nom de Dieu, je t'aime juste. Ok, vas-y, va faire même du riz sauté aux enfants. D'accord? Oui, bébé. Je vais le faire, le donner, planter une. Okay. Je vais dire que c'est mon ami qui a donné. Il ne faudra pas m'oublier aussi, hein, s'il y en a, bébé, s'il y en a assez. Je vais encore ma voisine te donner. Voisine? Non, non, moi, mais je viens de te parler. Ah, d'accord, ok. Ok. Tu as compris. Mon bébé. Merci, mon cœur. Bon. Seigneur, mon méché. Je dis que avant qu'on te fasse quelque chose, on va d'abord me passer par le corps. Mmh. Oui, hey, on peut toucher mon gars. Ah, mon oui. Gars. Hey. Qui peut tenter ça? Le gars de Ivan. Bébé, le soir, ah, non. Ok, d'accord. Okay. Tu veux un sexy comme dame? Ouais, ouais. Okay. Non, t'inquiète. Avec un bon parfum. Non, je te fais confiance. Alors, okay? Je t'aime mon cœur. Je t'aime aussi, bébé. Tout de suite. Ok. Merci. Ok. Hey, merci. Oh, les femmes avec les mêmes histoires tous les jours. Anyway. C'est vrai, est-ce que tu me changerais tes tables tout le temps, c'est ça? J'ai envie de te dire que si ce n'était pas ma voisine aujourd'hui, je mourrais. Mais dis, demande si c'est vrai. Attends, il t'a tapé aujourd'hui? Depuis 4 qu'on bagarre. 4 heures. Je ne sais même plus quoi faire, je t'ai passé. Mais quand je te regarde, je ne vois aucun signe de bastonnade ou de maltraitance. Je ne sais pas ce que tu t'imagines souvent. Hein. Ou tu penses que je suis fière de te dire que mon mari me maltraite ou je ne sais pas. Tu penses que je te mens? Hein? Ça va. Je te dis que... Donc voilà, dis-moi, tu l'aimes plus? Tu ne veux plus être avec lui? Bébé, comment tu peux me demander ça? Oui, mais parce que tout le temps tu te plains, tu veux plus vivre avec lui. Tu sais que c'est toi que j'aime, mais comme j'ai les enfants avec lui, je suis obligé de rester là-bas. Non, mais moi je te vois un problème à ça. Si tu trouves que tu ne peux plus vivre là-bas compte tenu du fait que tout le temps, il te bastonne, tu peux venir ici, la maison elle est belle, les chambres sont là, tu es avec les enfants. C'est pas aujourd'hui que je vous aide. Ou alors c'est pas aujourd'hui que je m'occupe de vous. Tu peux venir vivre ici avec tes enfants. J'ai besoin d'une femme, voilà. Je pense que bon, tout le temps là, je ne veux plus aller manger dehors. Hein. Je pense que. Oui, c'est même bien. À quelque chose malheur, bon, ouais.
Attends, chérie. Ouais. Tu es sérieux? Très sérieux. Tu veux que je vienne vivre ici avec mes enfants? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu m'aimes à ce point? Oui, jusqu'à ce point. Mais attends, on ne peut pas aimer une femme et ne pas aimer les enfants. C'est pas vrai? C'est vrai ou pas? C'est vrai, c'est ce qu'on dit tout le temps, mais quand même, je ne pensais pas que tu m'aimais autant. Tu ne pensais pas? Et quand tout le temps je te dépends, c'est quoi? Tu as quand même un rythme de vie assez confortable. Ouais, c'est bon. Voilà. Viens me retrouver et puis on va vivre le bonheur. Mais ça ne veut pas dire que si tu fais jouer à la colle, là, je vais essayer de tirer les oreilles. Mais t'inquiète, tu auras tout. Voilà, le confort est derrière tout ce que tu fais. Ok? Le problème, c'est que tu sais que mes parents sont anciens d'église. Est-ce que si. Si je demande le divorce, ils vont m'en vouloir. Ce n'est pas une bonne image. Vraiment. Tu sais, chez nous, là, le divorce... Mais attends, à la fin, qu'est-ce que tu me racontes, là? Tu veux quoi, à la fin? Tu joues à quoi? Non, je veux seulement te faire comprendre que ce n'est pas facile pour moi de partir de cette maison. Tu es devant là, pourquoi? Je suis avec toi parce que je t'aime. Maintenant, si tu m'aimes, viens vivre ici avec tes enfants. Ok? C'est bon maintenant? Okay. Tu m'as cherché de chanter l'amour tout le temps, tout le temps. Je viens vivre ici avec tes enfants. Ok. D'accord. Un autre souci? En dehors de la rente, la cotisation, là. Je vais t'en donner, mais pas maintenant. Tu peux venir avec les enfants ce soir ou demain matin. Ok? Vite, vite comme ça, papa. Ouais. Et... Bébé, donne-moi la négociation, comme la négociation, c'est une merde. Non, je ne viens pas. Viens avec les enfants. C'est bon maintenant? Je peux d'abord finir seul. Parce que je ne sais pas comment il va réagir, que je sorte avec ses enfants et tout. Bébé, il faut un peu de temps. Je te jure, j'ai bien envie de rester avec toi. Je constate que tu n'es pas prête. Hein? Tu n'es pas prête. Si tu n'étais pas prête, bon, continue à vivre ton cauchemar. Et puis ne viens plus m'agacer tout le temps. Ok? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'il me faut, lui? Coucou, mon bébé. Qui va là? C'est mon bébé. Comment tu vas? Ça va. tu m'as manqué. Ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu. C'est bon? Oui. C'est comment le mon champion? Je suis là. Et toi, t'es là pourquoi? Et qui? Comment j'arrive ici? Je me demande que je suis là pourquoi? Ça veut dire quoi? Les enfants sont où? Ah. En fait. Tu es revenu pour que je te donne l'argent? C'est ça? Ouais. Comment tu réduis notre relation à l'argent? Déjà, je viens, tu fais que visionner, je ne sais même pas mon temps. Je regarde la cour. Maintenant, je t'écoute. Je dois arrêter, je t'écoute. Ok. Je suis venue parce que tu me manquais. C'est tout? Je n'ai pas venu parce que je veux l'argent, parce que... Alors, si je t'en donne maintenant, tu ne vas pas prendre? Ouais, bébé, comment tu peux dire des choses comme ça? Est-ce qu'on refuse l'argent? Ah. Donc, tu veux l'argent, quoi.
Non, 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 c'est pas ce que j'ai dit. Je suis venue parce que tu me manques. Je te manque. Oui, beaucoup. Tu me prends pour un con, c'est ça? Non, écoute, si c'est pour les enfants, je t'ai bien expliqué. Ce n'est pas facile de porter les enfants de quelqu'un venir dans une autre maison comme ça. Laisse-moi un peu le temps, chérie. Ouais. Et ton mère, il se porte bien? Oh, ça ne va toujours pas entre vous? Est-ce que ça va souvent entre nous? Vous-même, ces jours-ci, ça ne va toujours pas? Non, on ne se parle même plus. C'est arrivé à un stade que même le bonjour ne s'est pas. Attends, regarde-moi un peu. Regarde-moi droit dans les yeux. Tu me prends pour un con, c'est ça? Ça veut dire quoi, je te prends pour un con? Je vous ai vu, hein? Moi? Ouais, ouais. Avec mon mari? Ouais. Où? Bras dessus, bras dessous. Hein. Jamais, ce n'était pas moi. Tu veux les photos? Ne discute pas avec moi. Parce que si tu discutes, je vais te brutaliser. Tu me prends pour un con? Attends. Tu me prends pour un con? Toujours tu viens ici, je te donne l'argent, ça ne va pas, les enfants n'ont pas mangé. Pourtant, tu vis la belle vie hein, avec ton mec. J'ai reçu quand même Marie, non. Il faut que faut faire attention, semblant. Hein. Je dois faire semblant que je suis avec fais lui. Fais attention, hein. Ça se passe bien, très bien entre vous, ça, je sais. Je te jure, je faisais seulement semblant, si tu nous as vu. Je faisais seulement. Lève-toi. Lève-toi. Je ne peux pas être. Bon, pardon. Tu me prends pour qui? Comment me déver, hein? Ça va. Sors. Hey, pardon, pardon. Ça va. Je suis ta béa. Chérie, pardon. Ouais, mon cœur. Mon cœur, mais Nalmi. Prends-moi pour qui?